te joins-tu bientôt? Ben là, tu fais quoi? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. 5 secondes de décalage. Hey, c'est peut-être un record, hein? Yeah, t'es là. Ok, go, si tu veux, tu peux quitter la PS. Écris genre, Joanne est une femme. Wow, il y a vraiment pas beaucoup de temps de décalage. Trop cool. Ouais, ben moins que d'habitude. L'autre fois, il y avait 13 minutes de décalage. Je le jure. Juju wannabe. La qualité à bug. Check, tu vas voir mes graphismes là, on dirait fou les graphismes de PC. Oh, tu veux-tu rester sa PS au pire? Ma voix de merde. Sam, arrête de t'écouter, t'es juste une grosse merde. Non, je voulais m'entendre en retour, merde. Mignon, l'encul. Tu vas faire quoi dans le chat du groupe? Allô? Qu'est-ce que? Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, toi? Attends, 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 je veux m'entendre dans l'œuvre de toi. J'ai fait autoriser ma voix. Yeah, ma voix de merde! Je te le dis, hein, on a des. Check, tu vas voir les graphismes là, on dirait fou les graphismes PC. J'aime Yacine en amour. Trop cool, moi aussi. Je le veux dans mon lit. On dirait qu'il essaie de t'enregistrer. Mignon, le cabron. Sam, t'es une pute, arrête de t'écouter en retour. Mignon, T'as pas à me dire qu'est-ce que je fais, toi? Inconnu. Ouais, ton skin de garou, il est dégueulasse. C'est normal, il y a ta première révolution. On dirait ma mère esti. Elle est pas aussi poilue que ça, même si elle est pas portugaise. Kiki comme Kiki Winky. Tu restes dans le groupe. La voix d'enfoiré. Mais check mes graphismes. On dirait fou les graphismes de. Oh non. Joanne est une femme avec un sac banane qui a une photo d'Antoine et que sa mère est une poule d'avoine. Oh, il y a quelqu'un qui pète mon méchant. Quand que je vais t'en faire, je parlerai même pas, hein, pour pas que tu saches que je t'en fête. Sinon, ça va te spoil. Ah oui, il y a une score qu'on est. Non. On est l'autre que toi, même. Genre, je sais pas c'est quoi que je devrais prendre là-dedans.
Twitch, il est Twitch Prime. Hein. Ouais. T'es stressé, mais t'es fort. Ouais. Fais-toi Al-Qaïda. Tu penses dans mes pensées. Tu penses dans mes pensées, c'est quoi ça? Oh, c'est... Oh! GG, ma boy. Imagine que tu réussis à gagner. Mais là, en ce moment, je suis plus en train de réussir à m'enterrer sous terre, là, mais... C'est stressant comme forme. Tabarnak, tes parents sont en train de construire la tour de feu, le style. Ouais. Ils donnent des coups de marteau partout. Pas grave, mort, mais c'est pas grave, j'avais plus de vie pis tout. Check, check, check. Check ben ça. Mais c'est pas grave, j'avais plus de vie pis tout. Check, check, check. Check ben ça. Attends, je vais voir ton jeu à partage sur la PS pis sur ça. Je ce jeu à partage, l'air cool. Tu peux pas lancer de jeu à partage en même temps. C'est le jeu du futur, lui. Sam? Quoi? Est-ce que tes parents ont fini la tour, le building de New York? Non. 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 Mais pas là. Check, check. T'es une queue, t'es mort comme un épas sur le PD. Kiki! Comme un épas sur le PD. Non! Mais en fait, je suis en train de me rendre riche. Parce que grâce à toi, je gagne la YouTube money, on va dire. Oh, salut, Sam Forget, t'es qui? Je suis ton père du futur. Kiki Winky, toujours là? En même temps, tes parents. Le Trump Tower, les fils buildés. Le nouveau parlement. Non, l'ancien. Non, l'ancien. Ça pourra manger demain, tout le monde et tout.
chaud, ma pote. Ah! Bon, bah, tu vas avoir une méchante surprise, tu sais comment je suis mort. Ouais, reste dans le live, mais quitte. Ouais, c'est ça. And I get to win my life. Life. My life. Life. And I will get to win my life. Life. Nakanakakana. Go, tu choisis mon skin, puis l'accessoire de dos. Puis je choisis ma pioche. Oh, ouais, go. Choisis mon skin et ma pioche. Et mon accessoire de dos, en fait. Sorry. Queen. And I will get you in my life. And I get you in my kind of life. I will get you in my life. Go to choose the most skin, more accessory to do. Okay. Oh, le lampadaire. And I will get you in my life. Life. And I will get you in my life. Life. Quand des duos. And I will get you in my life. Life. And I will get you in my life. Life. Ok, combien de kills tu crois que je vais avoir dans cette game-là? T'es mignon, toi. Endroit où tu pourrais terminer si tu fais trop confiance au mauvais youtubeur. Parce que j'en connais une, elle s'est pas arrêtée à la vente de foutre en passant sur toute la gueule de ses abonnés. Même à travers l'écran, je peux le sentir. Un cheeseburger. Par contre, je connais pas beaucoup de végétariens qui en consomment. J'enfile mes lunettes d'inspecteur et je t'explique tout. Comme certains le savent probablement, j'ai déjà parlé des trucs perfects à plusieurs reprises. Où j'expliquais qu'à tel ou tel moment, j'étais persuadé que quelque chose clochait. Tu visualises la vidéo image par image, et bien il y a le ballon qui disparaît et qui réapparaît. Alors il faut savoir que dans le monde de la vidéo, il y a plein de bugs qui peuvent être engendrés, mais je peux vous assurer qu'à aucun moment on peut avoir un truc qui disparaît à 100%. Et comme beaucoup d'intégrés sont au courant, le youtubeur Max n'est pas là, car en passant est mon demi-frère, hein. Il y avait certains arguments qui ont directement très mal au cœur. Maintenant, et si à la fin de la vidéo t'es pas convaincu avec ce que je vais te montrer, tu t'abonnes, y'a aucun problème. Je fais ce pari là maintenant, avant de vous montrer l'épreuve ultime, la cohérence ultime. Vous vous abonnez tous à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées. Et si à la fin de cette vidéo vous n'êtes pas convaincu, je vous autorise à tous vous désabonner, je me plaindrai même pas, ça sera ma faute. Trick shots fit dude perfect. C'est une vidéo qui a été réalisée en collaboration avec Rocket Jump, et ça il faut bien le retenir dans sa petite tête. Je tiens aussi à préciser que beaucoup de personnes m'ont demandé si cette vidéo était réelle ou non, car les scènes sont tellement incroyables que certaines personnes se sont tout simplement demandé si c'était pas un sketch. Et bien évidemment, les dudes perfects n'ont jamais dit que c'était fake ou que c'était un sketch réalisé. La vidéo est simplement un plan séquence sans aucune coupure, où les différents membres des Dudes Perfect vont réaliser des tonnes de trickshots complètement what the fuck insane les uns après les autres.
plan séquence. C'est-à-dire que chacune des personnes qui ont réalisé leur trickshot dans la vidéo l'ont fait en réussissant entre guillemets du premier coup, si vous voyez ce que je veux dire. Certes, il y a sûrement eu des ratés au début, mais ils ont tous réussi à aligner leur trickshot avec succès dans l'ordre sans qu'il n'y ait aucune coupure. Et là, attention, je ne vais pas vous balancer une petite crotte de nez du genre. Eh ben, en fait, il y a une coupure dans la vidéo. Bien sûr que non. Je suis là pour vous prouver. Prédit parfait. Fake dans certaines de leurs vidéos. Le plan basketball. Thank you. Here we go. Et on commence directement avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec la séquence qu'on vient de voir. Pour eux, le ballon de basket, une fois qu'il sort du champ, est tout simplement modéisé. Il est assez compliqué de pouvoir y voir l'ombre du ballon de basket qui rebondit, ou tout simplement un reflet. On a ensuite le plan de l'arc. Pour certaines personnes, la flèche change de couleur, passe du rose au noir. Je suis pas spécialement d'accord. Mais pourquoi pas, laissons-les divaguer, car moi j'ai vu l'ultime preuve, la raquette de tennis. Three in a row, here we go, number one. Number two. And here we go, number three. Ce plan de balle de tennis, il y a quelque chose qui fait chier un peu les gens. Je ne sais pas pourquoi il y a une balle de tennis qui apparaît un peu de nulle part sur le plan et personne n'est en train de jouer avec une balle de tennis à côté, ça les dérange. Mais là, encore une fois... Bon, je stoppe ma vidéo, parce que là, ça me déconcentrer, tu sais. Merci. C'est la skin Bambi qui me fait ça. And I will get you in my life, life. Oh non, oh non. Ok, non. Oh, je vais me prendre des dégâts de chute, bébé. Bon. Mais qu'est-ce que je fous? Bon. C'est des balles. Oh le fail. Non! Mais ils sont deux! Pourquoi je joue en duo au moins? Et là, mes amis, oh non! On passe au plat de résistance. Les fléchettes et les ballons de baudruche. Dude, you know, I feel like
mascarade. Analysons bien cette scène, comme il faut. Et la première chose qui dérange, c'est ce ballon bleu qui explose. On peut d'ailleurs y voir un rejet de ballon qui tombe au sol et qui disparaît en plein air en fait. Et oui, car le morceau de ballon bleu que vous voyez exploser sur le sol, il était déjà présent au début de la séquence. Et où est donc passé ce bout de ballon bleu? Encore une fois, ce n'est pas une preuve, simplement quelque chose de très bizarre. Mais là où c'est foutu pour eux, c'est à ce lancer précis. Si vous passez cette séquence au ralenti, vous pourrez voir qu'en fait, la fléchette est tout... Oh, Tifu. Totalement mal incrustée sur le plan. Elle est fausse. Les amis, il ne lance rien, il a les mains vides. On peut voir en slow motion, en ralenti, qu'en réalité, la fléchette est quelque chose qui n'est pas possible dans une physique normale telle qu'on la connaît. Elle traverse son corps devant lui. Regardez bien la position dans laquelle il lance les fléchettes. Il devrait y avoir la fléchette de son bras gauche qui passe devant son ventre, devant sa personne, et la fléchette de son bras droit qui passe derrière lui. Elle devrait simplement disparaître du plan pendant au moins le temps de là où elle est derrière lui. Ce plan est complètement fake. Ce plan ou cette vidéo? Oui, car là on vient de prouver que c'est complètement fake de A à Z par rapport à ce plan-ci. Mais ça m'a dit quelque chose d'autre aussi que personne n'a vu sur internet apparemment. À toute fois, j'utilise une balle de golf à un club pour casser une bouteille de bière placée assez loin dans le champ. Et moi, sur mon ordinateur, et quand je regarde des vidéos, j'utilise toujours un casque. Un très bon casque. Et là, il y a quelque chose qui m'a dérangé. La caméra, c'est impossible que le son soit capté comme ça. Il n'y a aucun micro-perche dans le champ ou autre proche de l'endroit où la bouteille explose. Du coup, je me suis amusé à essayer de trouver des sons de bouteilles qui explosent qu'on pouvait acheter sur internet. Et les amis, regardez sur quoi je suis tombé. Lâchez-vous sur les likes, et si je vois que vous avez vraiment donné le maximum, je sors une vidéo dès demain. C'était Tsukio. Peace out. On est maintenant à la fin de la vidéo et je me rends compte qu'au montage, en rajoutant à peine 50 secondes de séquence, je pourrais atteindre les 10 minutes de vidéo, ce qui me permettrait d'être monétisé correctement sur celle-ci. Si les dudes perfects ne bloquent pas la monétisation, bien entendu. Mais c'est pas trop mon genre de rajouter des secondes pour rien du tout. Du coup, je vais vous montrer une dernière séquence très bizarre des dudes perfects qui traînent un petit peu sur internet, pour laquelle personne n'a encore d'explication. Dans leur vidéo coup de bowling numéro 2, il y a quelque chose de pas normal, de pas très net. On a un des membres qui a une déformation sur la jambe quand il sort du cadre. Et ce genre de déformation, c'est pas une déformation d'objectif ou de grand angle. C'est une déformation trop bizarre en fait, c'est pas logique. Ce genre de déformation, on la récupère que quand il y a une grosse retouche avec des calques sur une vidéo. Quelque chose de très bizarre. Et voilà, je sais pas trop quoi en penser. Enfin bref, je pense que les 10 minutes vont être atteintes avec ça. Je vous fais bien évidemment un peace out des familles. On se retrouve très bientôt, voire peut-être demain si vous donnez à fond. C'était Tsuki.
Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous mettez la forme. Allez, salut tout le monde, les potos, c'est The Frag HD. Avec toutes les vidéos que je vous ai faites en rapport avec les cours, il y a un abonné, il m'a donné une super idée dans les commentaires, vous faire les pires motifs d'heure de colle. Alors, je vais vous raconter la première heure de colle que j'ai eue dans ma scolarité. C'était à ma rentrée, quand j'étais au collège, il y avait un concept super drôle. Un élève qui était désigné devait gueuler hyper fort dans la classe, ils sont là. Tous les autres élèves devaient dire de qui, et là, tu fais les mammouths et tout le monde tape des pieds. Donc, j'ai été l'heureux élu, celui qui a été désigné pour commencer à gueuler, ils sont là dans la classe. Sauf que tous les autres élèves se sont chiés dessus, ils m'ont laissé bider, il y a eu un silence total dans la classe. La prof de français a pris mon carnet, m'a mis ma première heure de colle. J'étais dégoûté, les autres élèves, pour s'excuser, ils m'ont offert un sachet de bonbons le lendemain. Mais c'est des bons souvenirs. Alors, dans mon pote à mon écran, si t'aimes la vidéo, je compte sur toi pour laisser un gros pouce bleu en tant que plaisir. Et pour participer dans les prochains épisodes, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont pour toi les pires motifs d'heure de colle que t'as reçu ou alors certains de tes potes ont partagé leurs expériences. Dis-moi tout ça dans les commentaires et c'est parti. Alors pour moi, à l'école, il y a différentes catégories d'élèves. Il y a ceux qu'on appelle les intellos qui sont très attentifs en cours, qui travaillent sérieusement. Et l'autre catégorie, c'est les fouteurs de merde. L'objectif, c'est de faire des conneries, des blagues, de faire rire un maximum d'élèves. Et on peut peut-être ajouter une troisième catégorie de flemmards. Je devais me situer là-dedans. Ceux qui font le strict minimum juste pour valider leur année et qui trouvent toujours un moyen de s'occuper. J'avais fait esprit si tu es là tape trois fois et on tapait en dessous de la table avec nos genoux, j'ai une heure de colle. Mais non, la meuf c'était tellement chic qu'elle essaye d'invoquer des esprits en classe, mais le prof peut pas continuer son cours. Imagine tout le monde qui tape avec les genoux sous la table. Oh le bordel. Ce prochain élève on peut le mettre dans la catégorie fouteur de merde, mais on va rajouter catégorie gros dégueulasse. C'est Lille Jean-Eude, il dit se touche l'organe génital en cours et fait sentir au professeur. Je m'étais pas lavé depuis deux semaines, ça sentait le vieux camembert coulant. Mais non, il a pas osé, il a foutu sa main dans ses poils de cul, il a récupéré des petits poils sur ses doigts, les parties génitales, il a fait sentir ça au prof. Hein. T'imagines, c'est un truc à tomber dans les pommes, c'est de lacrymo le bordel. Alors pour le prochain, faut vraiment qu'il arrête les séries, les films. Faut retourner dans le monde réel, mon gars. C'est Riku94 qui nous dit a tenté de quitter l'établissement par le tunnel du chantier. École en rénovation et la principale qui m'avait chopé en dessous de sa fenêtre. Le mec, il se l'est joué à la Prison Break, il s'est fait un plan de l'école, il a essayé de s'évader en plein milieu des cours. Arrête-toi, mec. Je vois trop le groupe de potes au taquet, ils ont une montre autour du poignet. Ils font, ok, les gars, dans 30 secondes, on va pouvoir passer le tunnel. La prof va aller chercher son café, ça met 30 secondes, pas une de plus. On a tous trouvé des excuses pour ne pas aller à un contrôle. On avait mal au ventre, un peu de fièvre, on a eu du retard, des problèmes de transport. On s'est tous arrangé à notre sauce. Mais alors, monsieur Coupan, il s'appelle, lui a trouvé l'excuse la moins crédible au monde. Il prétend avoir suivi un lapin blessé pour s'esquiver du contrôle. Ah mais madame, attendez, putain, lapin, il avait tout au bout du cul. Il était mal en point, c'était soit la mort d'un lapin ou j'insiste à votre contrôle. La question se pose pas. J'ai remarqué qu'il y a toujours eu un énorme engouement des élèves qui avaient un prof qui chauffe. Toujours essayer de faire le prof en question. Comme jeune pommette qui nous dit, ou sinon j'ai failli être collé pour avoir balancé un marron sur la tête du prof qui était chauve. Il avait un bleu avec maintenant sur le crâne. C'est vrai que c'est un peu la merde pour continuer les cours ensuite. Où il y a aussi Piazzo Niolo qui nous dit tente de coller des tatouages de Malabar sur le crâne du surveillant. Ah ouais, mon avis, lui aussi, il devait pas avoir un petit cheveu, un petit poil sur la tête. Justement, c'est ce qui fait que la blague est drôle, puisque le gars va se trimballer toute la journée surveillant avec des putains de tatouages de Malabar sur la tête. Le truc bien humiliant. La prochaine est vraiment dégueulasse, et le pire, c'est que ça m'est déjà arrivé en quatrième. C'est Antimoineau qui nous dit éternue en crachant dans les cheveux de sa voisine. Ça nous est tous arrivé d'oublier de mettre la main devant la bouche pour éviter que tous nos crachats et nos glaires finissent dans la gueule de notre voisin. Mais imagine-toi une meuf le matin qui passe dans la salle de bain, qui se fait son petit brushing, qui se lave super bien les cheveux. Elle arrive dans sa première heure de cours et le voisin qui est juste derrière elle, il éternue, il met pas la main devant la bouche, il lui crache des gros glaires qui restent coincés dans ses cheveux. Alors là, c'est tu l'amour directement, mon pote, t'as aucune chance de la draguer dans l'année cette fille. J'ai toujours aimé la façon dont certains élèves y justifient leurs conneries. Comme ta banni de retard qui nous dit j'ai lancé un mec contre un poteau en béton, en même temps on avait mis une claque, donc bon, oh la justification qui va pas du tout. Allez, tu t'es pris une petite claque, tu t'es dit vas-y pour me venger, je vais le balancer sur le poteau, tu l'as envoyé deux semaines à l'hosto le pauvre. Y'a aucun rapport mon gars, c'est comme si je te poussais un petit peu dans les couloirs et toi en fait pour te venger t'arrivais par derrière et tu me mettais une grosse balayette et je descends tous les escaliers sur le cul. Alors cet élève, on
trop la prof qui a fond dans son cours, l'élève il en a rien de cuit, mais en fait pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis en train d'écouter son cours de merde? Il commence à ranger ses affaires, il sort une petite clope de son paquet, il la met dans sa poche et il commence à se barrer de la classe. Il dit bon allez les mecs, j'en ai rien à foutre de son vieux cours et il se dit allez on se rejoint à la cantine. Cette fois-ci on a affaire à un mec vraiment pas très futé, j'ai fait un bras d'honneur à un capteur de mouvement. Alors le mec je crois qu'il a confondu capteur de mouvement et caméra de surveillance. La caméra si tu fais un bras d'honneur, bah s'il revisionne l'enregistrement forcément tu seras vu en train de faire ton bras d'honneur. Le capteur de mouvement en fait il capte bah, tes mouvements, c'est un peu la définition du truc. Et peut-être ta respiration aussi. Mais en fait que tu fasses un bras d'honneur, que tu mettes ton cul devant le capteur de mouvement, ça change strictement rien en fait, personne ne l'aura vu. Donc je pense qu'il s'est fait cramer, il devait être en train de faire un bras d'honneur, t'as un prof qui est arrivé dans le couloir, qui l'a vu au loin, et le mec s'est pris 2 heures de colle. Pour celui-ci, le respect il est mort totalement, c'est une connerie de haut level. À tous les Canadiens, il est temps.